Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Entre les grands discours du candidat Hollande sur la finance et les regrets du candidat Valls sur le 49.3, il s'est passé 5 ans. 5 années qu'on peut difficilement voir sous un bon angle, à moins de faire partie des quelques 8000 signataires de la pétition contre le Hollande bashing. 5 années où à peu près tout le monde, de droite comme de gauche, a fini par gueuler contre le gouvernement et sa politique, avec un président qui a battu des records d'impopularité. On pourrait choisir de se défouler un coup en tirant sur l'ambulance, mais ce ne serait pas très constructif. Et du pas très constructif, il y en a déjà suffisamment dans cette campagne. Essayons plutôt de comprendre comment un tel écart entre les discours et les actes est possible, à travers la figure de Manuel Valls, chef du gouvernement qui a mis la France en position latérale de sécurité, niveau état d'urgence. Et rassurez-vous d'avance, expliquer Valls, ce n'est pas l'excuser, bien au contraire. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Hollande en campagne, c'était la promesse d'une lutte contre ce monde de la finance qui nous a plongés dans la crise. De plus de droits, de progrès social. De la fin d'une ère marquée par le tout sécuritaire et l'autoritarisme forcené du président précédent. Bon, ça c'était pour les optimistes. D'autres avaient déjà vu le truc venir. Parce que le monde de la finance, en plus d'avoir un visage, il n'a jamais vraiment été un ennemi. Le programme d'Hollande ne différait finalement presque pas de ce que proposait Sarkozy. Et manif en moins. Plus significatif encore, c'est le virage à 180 degrés sur les aspects sécuritaires et autoritaires qui a choqué de nombreux électeurs d'Hollande. C'est là que notre Manu entre en scène. Avant d'être Premier ministre, il a été nommé ministre de l'Intérieur. Et Valls, on savait pourtant déjà sur quelle ligne il était. C'était le gars qui disait déjà ça de sa ville, Évry. Belle image de la ville d'Évry. Vous me mettez quelque chose blanc ? Ou des Roms. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays. Une ligne très inspirée de Sarkozy, donc, même s'il s'en défendait. C'est en tout cas avec ce genre de phrase que celui qui, jusque-là, était très minoritaire dans son parti, 5% à la primaire précédente, est devenu très populaire. Homme fort du gouvernement face à un Premier ministre transparent. Faut dire qu'il a ce culte de l'autorité, de la fermeté. Valls, c'est un dur, il ne se laisse pas marcher dessus. Un exemple, la loi renseignement. Cette loi sur la surveillance a suscité des campagnes d'opposition assez logiques. Jamais une telle loi n'aurait été acceptée si elle avait été proposée par Sarkozy. Cette opposition ne méritait pas d'être écoutée. C'était des pressions civiles. Beaucoup de pression. De même, à partir du moment où il avait décidé qu'une loi passerait, bah elle passerait. Quitte à bourrer les 49.3 s'il le faut. Il est d'ailleurs intéressant de voir que c'est sous des gouvernements socialistes que ce coup de force est le plus souvent utilisé, le record étant de 28 fois par Michel Rocard. Rien d'étonnant, Valls, comme Rocard, représentait des tendances minoritaires qui n'étaient pas celles choisies par les électeurs et devaient du coup frapper fort pour appliquer un programme qui n'était pas celui qu'ils avaient promis. En fait, ça résume tout le problème du Parti Socialiste. En campagne, il a besoin de s'affirmer à gauche, de séduire, mais au pouvoir, il déçoit vite son électorat. Car sa politique va à l'opposé de ses promesses, et petit à petit, la continuité avec le gouvernement précédent devient évidente, voire aberrante. Parce que finalement, cette France du PS, ça aura été à peu près tout ce que l'UMP rêvait de faire sous Sarkozy. Hausse de la TVA, loi Macron, cassage du code du travail par la loi El Khomri, et clou du spectacle, l'état d'urgence, prolongé depuis déjà plus d'un an, et vers l'infini et l'au-delà. Pas mal pour un truc qui est censé servir dans les moments exceptionnels. Il est d'ailleurs intéressant de voir que dans « Un président ne devrait pas dire ça », le livre d'entretien qui a grillé Hollande, celui-ci reconnaît que lui et Valls ne croient pas à son efficacité, qu'il l'utilise surtout pour rassurer l'opinion et s'en prendre aux opposants politiques. C'est d'autant plus rigolo que Valls, actuellement en campagne, continue de défendre son efficacité comme si de rien n'était. La droite et l'extrême droite aiment bien critiquer le PS en disant que le socialisme est ce qui ruine la France. Pourtant, on vient de le voir, la politique de Hollande et Valls ne diffère pas tant que ça sur la forme comme sur le fond de celle de Sarkozy et Fillon auparavant.
On peut avoir l'avis qu'on veut sur le socialisme, une chose est certaine, cette politique n'en est pas. Dans les faits, ça embête même bien les républicains. La loi Macron, la loi El Khomri, la déchéance de nationalité, c'est des trucs qu'ils auraient rêvé de faire, mais n'auraient jamais pu. Et Valls et Hollande le font, du coup, ils peuvent pas faire de l'obstruction. Mais ils peuvent pas l'accepter non plus, sinon leur existence n'aurait aucun sens. Oui. Oui, si c'était le texte qu'on nous soumet aujourd'hui. Et du côté de la gauche, une bonne part de ceux qui bougeraient si ces lois venaient de Sarkozy restent inactifs. Par exemple, mercredi soir, à l'hôtel de ville, il n'y avait pas 1000 personnes pour rendre hommage à Rémi Fraisse. Je demande, combien de personnes y aurait-il eu dans la rue si Rémi Fraisse avait été tué par la police d'Hortefeux ou de Guéant ? C'est l'une des causes du problème. Nous faisons de la politique par étiquette. Il a fallu attendre 4 ans, le printemps 2016, pour que des syndicats immatriculés à gauche se rebiffent contre le PS. On pourrait aussi parler de ces députés frondeurs qui étaient à deux doigts de voter contre les lois qui passaient le moins, mais qui ont toujours pris soin de ne pas trop mettre le gouvernement en danger, car alors, c'est leur carrière qui aurait été menacée. Au moins, Manu, il en a un peu conscience. Manu, lui, le socialisme, il aime pas. Il trouve carrément que ça fait 19e siècle, monde ouvrier, tout ça. Et les ouvriers, bah Manu, il s'en fout, il sait que de toute façon, ils préféreront voter FN. Il avait d'ailleurs carrément été pour qu'on vire le nom de socialiste du parti. Ça aurait eu le mérite d'être clair. Je pense que le socialisme, c'est une idée du 19e siècle. En un sens, il dit tout haut ce que le reste de son parti pense tout bas. Mais cette ligne, elle marche mal. Elle perd l'électorat de gauche, qui finit dans la rue, qu'il faut gazer, et elle ne permet pas de gagner l'électorat de droite. Surtout, il faut trouver le terrain d'affrontement avec la droite officielle, parce que s'il n'y a plus de différence, comment on justifie le fait de s'opposer à elle ? Pour ça, Valls et Hollande ont essayé de se ruer sur les sujets sociétaux, ce qu'on a déjà vu avec Macron. Vous vous souvenez, le côté attentif aux faibles, etc. Bon, forcément, pour Manu et ses blancos, et ses déclarations sur les Roms et tout, c'est difficile de faire dans l'antiracisme. C'est pas pour rien que le droit de vote des étrangers, qui était dans le programme d'Hollande, a vite été enterré. Mais il y avait le coup du mariage pour tous, qui doit rester comme la caution de gauche du gouvernement Hollande. Le truc, c'est qu'à trop vouloir instrumentaliser la cause des droits LGBT pour avoir l'air de gauche le plus longtemps possible, bah ils ont réussi à faire durer les choses en longueur, pendant plus d'un an, et ils ont créé une vague d'homophobie énorme et à cliver la société française. Comme quoi, même ça, ils ont réussi à le rater, et à mettre des gens en danger au passage. Bref, le bilan du PS au pouvoir n'est pas bon, et il n'a de socialiste que le nom. Et pourtant, c'est comme potentiel sauveur de la France que Valls se présente désormais à la primaire de la gauche pour accéder à la présidence de la République. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Vu qu'ils ont déçu à peu près tout leur électorat, on peut vraiment se demander ce qui passe par la tête de politiciens comme Valls, qui se présentent pour renouveler leur passage au pouvoir. Ce mandat est tout de même significatif, au point que Hollande lui-même a choisi de ne pas se représenter. Même Sarkozy, qui avait pourtant eu un mandat bien désastreux, avait tenté sa chance à nouveau. Il faut dire que cette campagne, c'est un peu une opération suicide, au point qu'on se demande si Valls est totalement fou de s'y jeter. Forcément, du coup, on se retrouve avec un exercice d'équilibriste assez énorme. Valls le sait, il ne séduira pas l'électorat de droite, qui a déjà Fillon et Le Pen. Et à gauche, bah, l'état d'urgence, El Khomri, le 49-3, ça se digère pas. Il y a pas mal de gens qui ont voté Hollande en 2012 et qui ont encore le goût de la lacrymo en travers de la gorge. Et c'est cela que Valls doit tenter de reconquérir. C'est dire la hauteur du défi. Et donc ça donne des trucs assez cocasses. On a un Valls qui a fait monter l'islamophobie par ses discours guerriers d'après attentat et qui, maintenant, dénonce les propos islamophobes venant de droite. Plus encore, on a un Valls qui s'autoflagelle sur le 49-3 en disant que oui, d'accord, c'était une erreur, promis, il la refera plus. Bon, sauf pour les textes budgétaires, parce qu'il faut pas déconner non plus. On pourrait ici continuer longtemps et s'amuser à lister toutes les contradictions et tirer sur l'ambulance. Ok, il a une tête à claque. Ok, il nous en a fait tellement que vraiment, c'est normal d'avoir des bouffées de colère en le voyant. Moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir se la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Mais est-ce que Valls, c'est pas au fond l'incarnation la plus parfaite du problème ? À vrai dire, ce genre de casserole, d'incohérence entre ce qui est promis et ce qui est réellement fait, on peut en trouver pour la totalité de notre personnel politique passé par le pouvoir. Et c'est pour ça que nos hommes politiques sont détestés en fin de mandat, que l'abstention explose. Le mensonge est devenu, en soi, l'arme de base du politicien. Et ça, c'est un problème qui dépasse de très loin Valls. Il peut se ramasser à la primaire et faire 5%, c'est tout le bonheur que je nous souhaite.
Mais il y en a déjà pas mal qui sont dans le même cas et qui se préparent à se moquer de nous de la même façon. Macron, Fillon, Juppé ont les mêmes soucis. Tous ont fréquenté les cercles du pouvoir. Deux ont également été premiers ministres. Et tous prétendent pouvoir réussir là où les précédents, c'est-à-dire eux, ont raté. Il est très surprenant que, malgré tout, ils puissent continuer à se présenter en sauveur et à recueillir des voix. Sommes-nous si naïfs, si désespérés ? Peut-être est-ce là une des plus grosses tares de notre système politique. Faire appel sans cesse à des politiciens vus et revus sur le devant de la scène. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue ici, c'est que ce n'est pas tant les individus que le régime qui les façonnent. Pour gagner, on l'a dit, il faut communiquer, jouer le jeu et donc mentir. Et c'est vrai pour tous ceux qui tentent d'y arriver. C'est une première chose. La seconde, plus grave encore, c'est qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, rien, à aucun moment, ne les oblige à faire ce qu'ils ont promis. Notre constitution, c'est-à-dire la chose qui est censée encadrer le pouvoir de nos élus, est écrite par ces derniers. Et nous n'avons aucun moyen légitime de les rappeler à l'ordre, quand ils n'appliquent pas la politique pour laquelle ils ont pourtant été élus. Notre régime est une véritable monarchie élective, et notre président a des pouvoirs énormes. On l'a vu, au besoin, il se sert des députés et de la rue comme de paillassons. Et c'est là le drame. Tant que le système électoral ne nous donnera pas de garantie, voter sera faire un acte de foi, et non de raison. Nous continuerons à donner nos voix comme on ferait une danse de la pluie, en espérant que ça va changer quelque chose, mais sans réelle prise sur ce qui se passe réellement. Alors pensez-y. Pensez-y à chaque fois que vous voyez le visage de Valls. Oui, il est devenu l'incarnation parfaite du politicien. L'exemple absolu de la contradiction entre les discours et les actes. Le summum de l'absurdité de notre système politique. Mais ceux qui ont déjà été au pouvoir ont tous fait de même. Et tant que la Constitution ne sera pas au moins changée, si ce n'est pas le système tout entier, n'importe quel autre candidat qui nous promet monts et merveilles peut tout à fait faire de même. Aujourd'hui, nous rions de Valls. Mais de qui rirons-nous demain ?